Bon, Pauline, alors programme aujourd'hui, dessiler, nourrir les taurillons. Bon, ça je vais le faire parce que l'accès en tracteur n'est pas facile, hein. C'est dangereux, il ne faudrait pas qu'il y ait un accident là. Ensuite, soigner la 1854. Ah ben ça, je peux m'en charger. Ouh, elle est lunatique, hein. Oh, mais bon, je commence à connaître le troupeau. Oh, connaître... celle-là, elle connaît que son maître, alors. Non, non, je vais le faire. Ensuite, les semis. Ah, faudrait pas qu'il y ait du gaspillage ou des ratés comme l'année dernière, hein. Non, je vais le faire, va. Non, ah, par contre, quelque chose que tu peux le faire, ça, c'est passer le rabot dans le parc d'attente. Hein, ça, tu vas pouvoir le faire, d'accord? Bon, allez. Allez, j'y vais. Vous vérifiez que vos remorques ne sont pas surchargées. Pour votre emploi du temps, c'est pareil. Avez-vous pensé à déléguer? N'hésitez pas à vous faire conseiller. Bon, alors, Pauline, le programme du jour. Dessiler et nourrir les bêtes. Bon, ben, ça, je vais le faire, hein, parce que... L'accès au silo en tracteur est un peu dangereux. Ouais. Il ne faudrait pas qu'il y ait un accident. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, les soins. Eh ben, y a la vache, là, la 1854. Oui. Mais ça, je peux m'en occuper. Bon, d'accord. Mais alors, je vais l'isoler, hein, parce qu'elle est un peu capricieuse. Ouais. Et surtout, tu l'entraves avant de la manipuler, d'accord? Ouais. Si tu as un souci, tu m'appelles. D'accord. Très bien. Ensuite... on a les semis. Bon, alors, ce que je te propose, c'est que... On va le faire ensemble ce matin. Puis cet après-midi, tu t'en chargeras toute seule, d'accord? Ok. Bon, ça va? Ouais. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Ok.